Blonde, son fils parti chercher la vie, aurait pris pour lui. Hey, 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 elle pense à lui. Putain, faut qu'il réussisse. Oh, elle prie pour lui. Hey, hey, hey. Ça fait longtemps déjà. Oh. De toi, tu n'as qu'à le dire et je serai là. Elle dit, tout n'attend que ça. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Ça dépend de toi, ça dépend de toi, ça dépend de toi. Ça dépend de toi, ça dépend de toi. Ça dépend de toi, hey. It depends on you, girl. Yo la famille, comment vous allez? C'est votre homme serviteur Rito. J'espère que tout le monde va bien. Vous m'avez vraiment vraiment manqué. Sachez que je suis là. Voilà. Sans vous mentir, mon problème avec mon matos, mon micro trottoir m'a un peu touché, mais je suis en train de m'en remettre. Voilà. Vous venez d'écouter un son. Vous venez d'écouter un son. Voilà. Si vous voulez voir le clip officiel, c'est-à-dire écouter le son dans son entièreté, regardez en description de vidéo. Regardez en description de vidéo. L'artiste s'appelle Mister Lexos et vous pouvez aller voir son clip et découvrir son titre. Franchement, c'est un hit. Moi, je pense que c'est parce qu'il est nouveau dans le domaine. Sinon, c'est un tube. C'est un tube ce son-là. Voilà. Tous ceux qui l'ont écouté l'ont validé. Je fais comme ça un gros big up au grand Roland Le Bengis qui a validé le son. Je fais un big up à tous ces abonnés-là depuis les States, depuis l'Australie, depuis le Canada, qui ont validé le son. Voilà, l'artiste s'appelle Mister Luxus. Son lien en description de vidéo. Bien avant que je vous parle de la lettre, dans cette vidéo-là, je vous invite à aller découvrir l'artiste. Je vous invite à aller écouter le morceau de l'artiste et de venir me dire en commentaire. J'avais déjà partagé dans ma communauté YouTube le lien de cette vidéo-là. Mais je mets encore le lien en description pour que vous allez découvrir cet artiste-là. Parce que franchement, il est super, super fort. Il est super talentueux. Vous n'imaginez pas à quel point. Donc famille, allez découvrir Lexos. Et pour ceux qui ont envie de se voir mettre leur vidéo démo en début de mes vidéos, parce que je vais reprendre maintenant la vidéo. Ça fait quand même un bout. J'ai laissé mes amis et collègues faire leur vidéo. Je vais reprendre du service. Voilà, donc ceux qui aimeraient voir la vidéo en début de vidéo, c'est-à-dire en début de mes chroniques, peuvent envoyer leur vidéo démo au numéro qui sera juste après le lien du clip de cet artiste-là. Voilà, vous allez passer chez Rito de Cherche TV. Voilà, et encore merci encore. Cependant, c'est quoi la lettre? En fait, il se pourrait que les couches jetables pour bébé soient très, 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 très nocives pour la santé de nos bébés. Voilà. Je ne confirme pas. Écoutez bien mes propos. Voilà. Il se pourrait que les couches jetables pour bébés soient très très nocifs. Pourquoi je le dis? Par exemple, je prends un cas au Cameroun. Où la Nord, c'est-à-dire l'agence de régulation qualité, avec son directeur général, comment il s'appelle déjà, Charles Bouteau, qui a révélé que les couches jetables pour bébés seraient très dangereuses pour la santé de nos bébés. Parce qu'ils contiendraient des substances chimiques qui sont, c'est-à-dire à dose dépassée, deviennent très 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 nocifs pour nos enfants. Voilà. Je mettrai même le lien aussi de choses de cette actualité-là en description de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer et lire en intégralité l'article. Parce que voilà ce que Charles Bateau nous dit. Charles Bateau nous dit que pour les couches jetables qui viendraient en provenance de la France, pas pour faire une mauvaise pub, mais de la France et de certains pays de l'Occident, soient très nocifs. Et il y a même le directeur général délégué de l'ANSES,
Monsieur Charles Felguez, qui confirme aussi que on observe un dépassement de ces substances chimiques-là, c'est-à-dire du seuil de ces substances chimiques-là dans les couches d'étable pour bébé. Voilà, ce qui nous ramène à dire quoi? Bon, on va revenir aux couches en coton, c'est-à-dire les couches traditionnelles, oui, il faut les laver, sécher et puis après reporter. Parce que nous, par exemple, moi, c'est ce que j'ai porté quand j'étais bébé, c'est ce que j'ai porté. J'ai pas connu les couches jetables. J'ai pas connu ça. Et il faut dire qu'on observe souvent des irritations, des boutons, des trucs, on va dire des choses, des apparitions cutanées qui sont pas très 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 jolies à voir, souvent sur les fesses de nos bébés et souvent entre les cuisses et tout ça. Donc pour dire que je ne dis pas que toutes les marques de couches sont nocives, mais ces deux grandes agences, et si vous voulez, c'est les directeurs des deux grandes agences qui le confirment en fait. L'ANOR avec Monsieur Charles Bouteau, c'est au Cameroun, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Cameroun, le ministère de la Santé n'a pas que interdit la couche jetable à Yaoundé. Non, 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 non. C'est pratiquement dans tout le Cameroun. Voilà. Que cela est interdit. Donc, faut dire qu'il faut quand même prendre l'information au sérieux. Elle est bien à vérifier, mais il faut quand même la prendre au sérieux. Voilà, il faut vraiment la prendre au sérieux. Après Charles Batou, il y a un truc Gérard Felguez, qui est le directeur général délégué de l'ANSES, une structure de qualité aussi, qui dit qu'il y a certaines substances chimiques dans la composition des couches jetables qui ont seuil dépassé. Je peux citer entre autres le dioxine, le furan et les substances, on va dire, polycycliques. Voilà. Donc c'est pour dire que je vous donne cette information-là pour que vous fassiez un peu attention. Si vous pouvez revenir au traditionnel, ce serait mieux garder la santé de vos enfants. Ça, c'est l'avis de Irito. Voilà, je ne suis pas venu faire la pub, la mauvaise pub avec une quelconque marque de trucs. Je suis venu juste interpeller pour dire que si vous dépassez ces substances-là dans la fabrication de vos couches, vous ne faites pas du bien à nos enfants. Donc, vous avez deux choix. Soit réguler la quantité adéquate pour la fabrication de ces couches-là. Et puis, si vous voulez, retirer. Bon, c'est déjà vendu. Donc, sérieusement, moi, je me dis que si un pays comme le Cameroun l'interdit, c'est pour dire que la menace existe. Donc, elle n'est pas à négliger. Elle n'est vraiment, vraiment pas à négliger. Voilà. Donc, c'était un peu ça l'information. Faisons attention aux couches jetables. Voilà. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand un enfant naît de 0 à 2 ans, il utilise, selon la source que j'ai lue, 4 800 couches jetables, ce qui représente plus d'une tonne de déchets, voilà, qui est nocif aussi pour l'atmosphère, voilà, pour l'environnement. Donc, on peut faire deux pieds deux coups, c'est-à-dire, on utilise un peu de couches jetables et on revient au traditionnel, c'est-à-dire, quand l'enfant est à la maison, qu'il est en train de se promener, qu'il est en train de s'amuser, qu'il est dans la maison, il pose sa couche traditionnelle. Voilà, moi je vous conseille ça. Maintenant, bon, s'il y a une petite couche urgente où on doit aller rapidement à l'hôpital et revenir et tout ça, on peut prendre deux couches, trois couches pour en sortir. Ça, c'est mon avis. Franchement, moi j'ai fait cette vidéo-là parce que je me dis que un bébé, c'est l'avenir de demain. Pour ne pas dire nos bébés, c'est l'avenir de demain. Donc il faut vraiment préserver, 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 préserver leur santé. Ce qu'il faut noter, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de produits nocifs dans nos aliments. Mais si tu veux venir en parler, on viendra dire que tu fais la mauvaise pub à certaines marques. Oh, c'est la vérité. Voilà. Mais pour cette info-là, j'ai bien mesuré mes propos. J'ai dit, je pourrais, selon la source que j'ai lue, qu'au Cameroun, les couches jetables soient interdites. En tout cas, les couches jetables en provenant de la France soient interdites. Donc, il faut prendre la question au sérieux pour savoir que, bon, peut-être que ce qu'Hérito est en train de dire est la vérité. Vous avez aller vérifier l'information. Voilà, c'est parce que j'aime vos enfants que j'ai fait cette vidéo-là. Donc c'était ça la lettre. Prenez-la au sérieux parce que nos enfants, c'est tout pour nous. Voilà, c'est notre descendance, c'est nos héritiers, c'est tout pour nous. Donc c'était ça un peu l'information d'Hérito. J'espère que vous aura plu. Et puis faites vos recherches. Et puis venez me dire en commentaire si j'ai menti ou j'ai dit vrai. Voilà. Donc, un petit clin d'œil à l'ANOR et puis à l'ANSES. Merci, c'était Héritor. On se prend.
à 16h30, 17h pour une vidéo sur Arel Chiné et Debordo Likoufa. Une vidéo sur Arel Chiné et Debordo Likoufa, 17h30, 16h30. Ciao, ciao.